Guy Mpela, homme de main du dictateur Denis Sassou Nguesso, impliqué dans plusieurs crimes de sang. La chute de ce personnage rhombozoïdal peut apparaître comme un avertissement, un prélude à quelque chose de terrible qui bouleversera à jamais le paysage politique de la République du Congo. Souvenez-vous, il y a certains signes annonciateurs, divins, qu'il faut prendre au sérieux. Lorsqu'un homme a passé son temps à opprimer ses semblables, lorsqu'un homme a passé son temps à assassiner, à empoisonner ses opposants pour se maintenir au pouvoir, le destin funeste n'est jamais loin. Notre Dieu créateur, avant de vous soustraire, il commence par soustraire la vitalité, la force vitale autour de vous. La chute de Guy Mpela est un prélude sans faille d'une fin certaine et tragique de l'empereur Denis Sassou Nguesso et une forme d'épuration de sa semence dans le pays. C'est ce que je vous dis. Tout le monde le sait, sauf les aliénés inconscients. Denis Sassou Nguesso connaîtra une fin tragique. Tous les signaux sont au rouge. Même au sein de son régime, les divisions ont pris l'apparence du silence et d'une fausse obéissance. Denis Sassou Nguesso, ange ou démon.